Bonjour. Lorsque vous êtes à la plage, ou bien au ski, ou en train de faire du sport, vous ne savez jamais quoi faire de vos clés, bijoux ou effets personnels. Eh bien, je vais vous donner une petite astuce pour vous permettre de les ranger et les mettre à l'abri, grâce à une balle de tennis et un cutter. Ça va être très simple. Vous prenez donc votre balle de tennis et vous allez avec votre cutter et sa lame la découper le long de cette couture, ici que vous voyez en blanc, avec le cutter. Alors attention à vous, c'est toujours dangereux de manipuler un cutter. Patience et mère de sûreté. Vous suivez donc le trajet du caoutchouc blanc qui n'a pas de matière jaune. Voilà. Et là, vous pouvez voir qu'en appuyant sur les côtés, ça fait une petite trappe. Une fois que vous avez découpé votre balle de tennis, imaginons que nous soyons à la plage. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Videz vos poches avant d'aller vous baigner. Vous allez là remplir discrètement, évidemment, votre balle de tennis de votre monnaie, que vous ne perdrez pas dans le sable comme ça. Même si vous le voulez, y ajouter votre bague que vous ne voudriez pas perdre dans l'eau. Ce que je fais. Voilà. Vous vous retrouvez donc avec un porte-monnaie sous la forme d'une balle de tennis, beaucoup plus discrète et qui, surtout, attirera beaucoup moins l'œil pour récupérer vos affaires. Rien de plus simple. Il suffit de presser sur les côtés, de mettre la main en dessous. Et là, tout retombe. La monnaie. Et la bague. À bientôt.